Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Phantom of Games, chers amis, pour une petite découverte, un gameplay, un amour, un zeste, un plaisir, un extrait, un délice, si j'ose ainsi m'exprimer de la part de Capcom, qui m'envoie en version presse un jeu magnifique avec un nom complètement gratuit, Devil May Cry, alias dans mon cul en français. Devil May Cry Definitive Edition sur Xbox One, chers amis. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 2013 sur Xbox 360 hein, et PS3, hein, si je ne m'abuse. Et là, sur le coup, sur la boîte, ça dit Xbox One, Devil May Cry, Definitive Edition de Capcom, du 1080p. C'était pas déjà le cas? Du 60 FPS. Ma Xbox One peut afficher du 60 FPS? Des nouvelles features. Ah bon? Tous les DLC. Il y en avait? J'ai pas vraiment... Plus de gameplay. Mais j'ai jamais testé le premier. Plus de costumes alternatifs. Mais dans tous les cas, Dante est pas vraiment... Ah, nouveau palais sanglant. Je sais pas ce que c'est, où sont les prostituées et la cocaïne. Du turbo et un niveau hardcore. Ouah. Moi perso, ça me hype, hein, c'est tout ce qui est écrit sur la boîte, hein, je ne vous mens pas. C'est la boîte de la version presse que j'ai obtenue en avance, hein, je tiens à le dire. Mon contact Capcom qui m'a vu sur la dernière convention, la dernière fois au Paris Manga, m'a dit: ah Bob, tant que t'y es, tant que t'es là, tu peux me passer ton adresse, on voudrait t'envoyer un jeu, machin, et tout, comme il avait fait la dernière fois, hein, ça fait toujours plaisir, c'est complètement gratuit. Moi je les prends, on m'offre des jeux gratos, et du coup, je voulais vous en faire un petit gameplay, vous montrer un petit peu le début de ce jeu, parce que je l'ai testé pendant les 5 premières minutes et j'ai trouvé ça excellent. Parce qu'il faut savoir que les Devil May Cry, je ne suis pas un grand fan à proprement parler, ou pour ainsi dire, les Devil May Cry, je n'ai fait que le 4. Je n'ai fait que Devil May Cry 4 sur Xbox 360 et j'ai jamais fait les 3 premiers. Et là, il y a beaucoup de gens qui crient: ah, hérétique, hérétisme, ça se dit hérétisme, hérétisme. Et moi, je suis désolé, j'avais complètement oublié que cette série existait en fait. Et là, du coup, qu'on me sort la définitive édition, l'édition définitive. Moi, je dis ok. Pourquoi pas? Testons-nous-y, voyons voir. Moi, a priori, j'ai pas de préjugés ou d'a priori contre cette espèce d'Edward Cullen complètement en bi-homosexuel du plaisir. Regardez-moi, il est tellement pimp. Il me plaît tel qu'il est. Et du coup, on s'y lance avec vous, les petits amis. Ça fait plaisir. Alors, c'est du gameplay, c'est gratuit. En plus, on a besoin de contenu sur Phantom of Games ces temps-ci, vu qu'on fait beaucoup de conventions avec Fanta part pour la Bédinasia. Du coup, nouvelle sauvegarde. Allons-y. Nouvelle partie, mission secrète, palais de sang. Ah, le fameux palais de sang! C'est écrit sur la boîte en gros quand même. Je sais pas ce que c'est, mais. D'accord, après avoir terminé le jeu, ok. Entraînement, extra, options. On va y avoir les options d'abord, histoire de pas se faire avoir. Sous-titres. Ah ah! Ouais. Toujours le truc qu'il faut vérifier avant de lancer un nouveau jeu, chers amis. Généralement, quand Lennon lance un nouveau playthrough, il teste pour de vrai un jeu, mais là, pour le coup, c'était vraiment à la pisse le soir pour le bonheur en testant Devil May Cry pour la beauté de la chose. Mortel, chasseur démon, Néphilim. On va partir en chasseur démon. Oh, des skins. Donc, du coup, j'ai le droit à tous les skins dès le début. Wouah! Lui, je le reconnais quand même, faut pas déconner. J'ai joué à Marvel versus Ultimate Marvel versus Capcom, respectez-moi. Et ça va dire, et pourquoi tous les autres il a les cheveux blancs en fait? Et là, il a les cheveux noirs. Gothique, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Oui, non, ça, ça ne change rien, c'est pas très grave. En tout cas, on prend le Dante de base, parce que personnellement, je ne connais absolument pas le jeu. Je n'ai donc pas de préjugés ou pas d'a priori. Quand le jeu était sorti, j'avais lu 2-3 tests, mais je les avais survolés. Et vraiment, beaucoup de gens sont là: mais Bob, les jeux Capcom, pourtant, c'est ton kiff. Tu sautes dessus et ça fait des super playthroughs. Pourquoi t'en ferais pas un playthrough de celui-là? Parce que j'en connais rien du tout, en fait. J'ai peur de me planter lamentablement. Et du coup, découvrons l'univers de Devil May Cry. Ah bah, l'architecte de Dubaï, il s'amuse le type, hein. Ah. Le cosmos. Ah non, c'est une fenêtre, d'accord. Oui, à la fermeture vendredi. Non, vous n'aurez aucun délai. Oh. Vous connaissez les conditions et les conséquences. Oh. Non, ce n'est pas une menace voilée. Elle est directe. Oh. Si vous ne respectez pas l'accord, vous porterez la responsabilité de l'effondrement de l'économie. Waouh, mais c'est Ariel Dombal. C'est du pouvoir, humilié et haï.
C'est assez direct? Bien. Vendredi, donc. Bonne nuit, monsieur le président. Waouh! Merci, Obama! Ça respecte. Alors? Combien, mon tendre et cruel? Plus d'un billion. Oh. Un milliard. Vous posséderez bientôt tout ce qui a la moindre valeur. Je vais dominer le monde. Par la tête. Je détiens un pouvoir absolu. Ça y est, le monde est enfin terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Un problème? Lequel? Le fils du traître Sparda. Dante. Dante? Lui. Il est toujours là. Les limiers le retrouveront. Ils ont bien eu Sparda et sa catin. Tu le tueras? Oui. Je lui arracherai le cœur de la poitrine avec mes propres mains. Et je l'avalerai devant ses yeux. Charmant. Doublement charmant. Oh! Yeah! Dès le début, Ninja Theory, ça fait du sexe, du sucre, des épices et des tas de billets. Telles étaient les recettes spéciales développées par Ninja Theory. Mais Capcom rajouta l'ingrédient X. Oh, et même l'ingrédient triple X. Et ça donna Devil May Cry Definitive Edition. Oh, le mec il devient bourré au panaché, rien à foutre. J'ai 16 ans et demi, maman, je fais ce que je veux. Et je rappelle que depuis l'année dernière, tout ceci est légal. Oh yeah! Un homme, un vrai! Le plaisir et le délice, il en faut bien deux pour eux! Pour polir la lance. Mesdemoiselles, bonjour! Rentrez dans la caravane du père Fouras! À l'américaine, on n'enlève pas ses vêtements, yeah! Dans ma chatte. Édition définitive. Et c'est définitif. Ah, ça veut rien dire. Et pendant ce temps, dans le monde alternatif des écrans de chargement... Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Il était plus drôle quand j'étais petit, Bozo le clown. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'Ordre, une organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler ce problème. Oh ! Abattre discrètement ce fils de pute. Le mec à la radio, il est sérieux ? Au service du Seigneur. Le gars aux news, quoi. Oula ! T'es en danger ! Que se passe-t-il ? C'est bon mon colis ? J'avais demandé une boîte extra large. Qu'est-ce que tu veux ? Se connaît. T'as été négligent. T'as laissé une trace. Et il en a après toi. Quoi ? Qui en a après moi ? Ah bah c'est sûr que c'est pas très propre, mais... Il s'agit d'un limier. Il est là. De quoi ? Un limier ? C'est pas censé être un chien ? Oh putain, c'est un orque ! Wouah ! Retourne dans l'ombre du nudisme ! C'est trop tard. Tu vas être obligé de l'affronter. Oh putain!
C'est une allégorie de l'érection matinale ? Merde, je suis dans les limbes. Allez, approche ! Oh non, ma caravane ! Je t'interdis de toucher à ma caravane, saloperie ! Wow ! Ah putain, il était sale! Pile à ma taille! Sans Row 3 l'a déjà fait! Raté. Wow! Styxien inférieur, messieurs, dames, bonjour! C'est l'heure de la dissidence! Vous voulez vous battre? Je vous attends. Allez, approchez les filles! Je suis en débardeur, je suis pseudo-viril, et je vous attends. Y, 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 Y pour le combo homosexuel à la Moussaka! Ouh, ah, ouh! Ha, ha! Hurré! Tout ceci est quand même extrêmement simple, il s'agit d'un beat démol. Faut quand même pas déconner. Chou, ha, hu! Ha ha! Easy! Oh là! Messieurs, dames, chacun son tour! Shoryuken! Hu ha ha! Easy! Hu ha hu! Chou! Ha ha! Riez! Hop là! Facile à esquiver! Ouré, 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 ouré! Et voilà! Quoi, ils en veulent encore? En trois phases? Vous êtes sérieux? Mon dieu, ces tutoriaux qui n'en finissent plus, mais enfin! Ça ne m'empêchera pas de vous en mettre plein la face. J'avais déjà compris que c'était pour esquiver. S'il te plaît, le jeu ne me rend pas pour un abruti de niveau 79. Faut quand même pas déconner. Orbe blanc. Les ennemis vaincus lâchent des orbes blancs qui remplissent la barre d'amélioration de Dante. Lorsque la barre est remplie, Dante peut débloquer une nouvelle capacité via le magasin d'amélioration. Comme le protège-couille. C'est une capacité, chers amis. Auré, auré. Passif. Orbe rouge. Les ennemis morts lâchent des orbes rouges qui permettent d'acheter des objets à consommer, des améliorations de santé et bien d'autres choses au magasin. D'accord. Vous pourriez donner de l'argent, hein. C'est vrai qu'on irait plus vite. Hein. Bon. C'est stylé ça quand même. Est-ce que je peux esquiver en l'air? Ah ouais. Ah. J'avoue, c'est fun. Hein? Qui a dit ça? Mais pourquoi elle était translucide, la dame? Chou! Bon. Oh ho! Un soutien-gorge! Et oui, il y a des flingues aussi. Oh, putain! Tu vas pas me lâcher la grappe, toi? Je te jure que quand je t'aurai mis le grappin dessus... Oula, oula, oula! Chou! Ha ha! Oulé. Oh mon scooter, ah mon dieu, mon bateau, tout est en train de partir en sucette, c'est pas grave, la double esquive, la roulade du plaisir, le saut. Oh. Hey Bonnie, Ivory, vous m'avez manqué. Couille droite, couille gauche. Ah. Bah c'était bien la peine de se faire chier à la récupérer s'il sert à rien, c'est quand même la misère. Ah bah en parlant de couilles, Batos. De quoi m'entraîner? Timing parfait. Allons-y. Nouvelle arme débloquée, Ebony Ivory. X. Très bien. Mais c'est de la merde. Ah, il faut appuyer, il faut buriner. Oh là 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 là. Ben, je peux pas les toucher de là? D'accord. Facile. Ah, c'est bon, j'ai survécu. D'accord. C'était le fail d'Alenon. Ça me rappelle hier soir sur les deux gondoles.
Vidage de couille gauche et de couille droite. C'est le plaisir d'un homme. Tu, hein? Facile. Easy. Bon. C'est pas tout ça, messieurs, dames. Voilà. Bien. Bon, sinon, il faut que j'aille pisser, moi. Zip. Le mec qui se met en bord de truc. Mais du coup, je suis dans les limbes. Je suis en enfer, en fait. Qu'est-ce que... Regardez le message qui... Attends. Spend money. Dépensez votre argent. Soumettez-vous à la dette. Ah, d'accord. D'accord, il y a des messages démoniaces. Spend... J'avais lu pénis, moi, pendant... Enfin, pénis, pendant une seconde. C'est normal, par contre, que la distance d'affichage des plantes, elle soit... Je pense que comme on est sur Xbox One, je pense que c'est un effet volontaire, mais ça fait bizarre le fait que les plantes apparaissent que quand t'approches, en fait. Mais enfin, c'est pas très grave, allons-y. On pointe... Oh! Et ça rapporte du fric, ok, pourquoi pas. Les petites araignées rapportent du fric, on s'en souviendra. Je ne sais pas, je m'appelle Kat, je suis pas un démon. Je suis dans le monde réel, et toi dans les limbes. Comment ça se fait que je te vois? Je suis une médium, une voyante. Ce qui fait que je peux communiquer avec toi. Même si tu me vois, je suis pas vraiment dans les limbes avec toi. Et donc les gens te prennent pour une folle. Et si j'appuie sur la détente? Je n'ose. Là, je risque ma vie pour toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider. T'as vu ma bite, alors je pense que c'est bon. J'accepte. J'ai pas besoin de ton aide. Le lumière t'a amené dans les limbes. Je peux t'en faire sortir. Je sais comment sortir, c'est pas ma première fois. Il suffit de combattre cette saloperie de démon. N'essaie pas d'affronter le lumière. Il n'a rien à simple démon. Oh. Suis-moi. Vite. En même temps, c'est vrai qu'il a rien d'un simple démon. Il ressemble à un orque sorti tout droit d'un play-trou que j'ai déjà fait. Mais enfin, allons-y. Barrez-vous. Elle est où? Oula. Wow, qu'est-ce que... Utilisez des attaques de corps à corps sur les âmes perdues pour les libérer. Ah. Monsieur, bonjour, est-ce que je peux savoir pourquoi vous êtes là? J'ai volé une sucette à un bébé. Ah bon? La raison de merde, tu sais. Libérez-les toutes pour accroître votre bonus d'achèvement de mission, d'accord. C'est-à-dire que je suis pas allé jusque-là, hein. Je m'étais arrêté avant les flingues, moi. C'était pour le test son, en fait, chers amis. Mais c'est pas grave, on progresse et... Oh, 4 étages de fun. Moi, personnellement, je m'arrête qu'au premier étage, si tu vois ce que je veux dire. Oh, et un vampire. Ça me rappelle, il faut que je demande à mon cousin Edward Cullen comment il va depuis cette histoire. Alors. Eh ben bon, on peut dire qu'ils en auront eu pour leur argent. Allons-y. Appuyez sur B pour un show you can. Easy. Easy. Hurré. Auré, auré, auré. Il faut vous attendre à beaucoup de ça si jamais je joue au jeu, hein. C'est la violence, hein. Ouria, j'aimerais bien voir le rang SS. Le rang SS. Le rang nazi, le rang nazi. Le roi Merlin, le plaisir, le délice. C'est comme Bayonetta, ça, en fait. C'est très similaire à Bayonetta, je suis en train de me dire. Mais bah, Bayonetta, c'est complètement inspiré de Devil May Cry. Ah, bon, d'accord, mais si vous le dites. Je m'y connais pas en tout non plus, hein. Bah alors, voilà. Point d'amélioration reçu. Tuer des ennemis, ramasser des orbes blanches, remplir la barre d'amélioration de Dante. Quand la barre est pleine, Dante obtient un point d'amélioration qui peut être utilisé au magasin pour débloquer de nouvelles attaques. D'accord. Pour accéder au magasin. Ouais. Shoryuken. 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 Ouh, yeah. La troisième était la bonne. Quand le dragon va, tout va. Quand le dragon va, tout va. Piffe ton dragon, bourre ton ultra. Quand le dragon va, tout va. Bon, on arrête de faire le con et on avance. Y a des gens sur ce bateau là. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, allons-y. Ah. Pour sauter plus haut, j'imagine qu'on peut voler à part d'ici. Vol. Bah non. Bah merde alors. Et pourtant ça... Non. Peut-être que je tape dedans. Ah.
mourir. Non, c'est bon. Ah bah forcément, chers amis. Ah. Oh, le gameplay de merde, c'est pas grave. On progresse et oh, des burgers. Candy's Best Buzz Burger. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Appuie sur AA pour faire un double saut. Chou. Ah bah merde alors. Chou. Ah, j'y suis. Oh. En fait, c'est un crâne d'alien. Je suis en train de me rendre compte, en fait. Vous avez trouvé le crâne d'alien d'or. S'utilise après la mort pour ressusciter Dante. Les orbes d'or s'achètent aussi en magasin. Ok. Ah d'accord, c'est une pierre de raise, en fait. D'accord, tout va bien. Chou. Aha. Waouh, ils ont l'air tellement métal, ces chevaux. J'avoue que c'est cool. L'univers est sympa, si je puis me permettre. Soumettez-vous à la dette. Ça, c'est sympa. Mais le fait qu'on soit dans les limbes et que du coup le monde réel soit en train de partir en sucette et que ce soit un prétexte en fait pour pas détruire le monde réel, je trouve. Oh, d'accord, je peux les péter. Je trouve ça sympa personnellement. Je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Allons-y. Qu'est-ce que. Utiliser la statue du temps pour objet. Ah, d'accord, c'est un point de sauvegarde. Ok. Voyons voir. Amélioration. Capacité. Double saut, marche-pied. Boing. Le rebond esquive, très bien. Rébellion. D'accord, rébellion, c'est mon épée, je viens de comprendre. Hacker niveau 2. Spirale mortelle niveau 2. Furie aérienne. Roulette. Onde de choc. Piqûre. Oh, ça, c'est la pénétration, quoi. C'est quand la femme est trop grosse, faut y aller d'un coup, tu vois. C'est direct. Est-ce que je peux l'essayer? Sur ta mère, hein. Bob, on avait dit pas les mamans. Ça va, j'ai pas de race. Chut. C'est marrant, ça. Ouais, mais sinon j'ai l'impression, en fait c'est comme Bayonetta quoi. D'accord. Comment je peux quitter l'entraînement? Ah, très bien. Ouais, c'est comme Bayonetta. Bon bah au moins moi ça règle la question. J'ai bien envie de me faire ce jeu en live ou sur la chaîne, ça dépend. Hein. Il va bien falloir qu'on voit. Il va falloir que vous me disiez en fait ce que vous en pensez. Comme ce jeu est déjà sorti depuis 2 ans et certes c'est la version Xbox One, donc c'est la belle version 1080p 60 fps. Sébastien Castellanos. Bref, je vous l'accorde. Mais il faut que vous me disiez ce que vous en pensez aussi. Hein. Je vais pas tout faire au pif. Pour la beauté de la forme, et Ebony et Ivory, dégâts accrus, ricochet, tirer une balle, le coup rebondit entre les cibles. Ah, tu te prends pour revolver au slot, quoi. Déluge et déluge inversé. Tourbillol, c'est sympa. Sympa. Sauf que je vais prendre ce combo parce que je l'aime bien. Spirale mortelle. Oh, il fait super mal, j'achète. Allez, allons-y. Bon. J'aimerais bien commander un churro, c'est... Oula. Oula. Azog, t'es revenu pour la dernière fois et... C'est mon manteau? Comment il est arrivé là? Il est arrivé là par les super pouvoirs scénaristiques de Capcom! Tu espérais pouvoir me rouler? Ha ha! Attention au coup de barre! Et voilà. Flash Info, nous sommes en direct de notre hélicoptère. Steve, je n'en crois pas mes yeux. Waouh, mais ça a un impact sur le monde réel en fait. J'ai déjà tué 50 personnes. Oh well, je m'en remettrai. Ah, trop loin. Trop loin. Ah voilà, c'est... Enfin. Allez mourez mécréant. Ah bien joué, il m'en a mis une. C'est la première que je me prends depuis le début, j'ai l'impression. Et voilà. Ah merde, j'ai pris la grenade aussi. Bon bah je dis ça et instantanément je m'en prends plein dans la gueule. C'est pas grave. Et voilà. Chut. Et voilà! Pas mal! Allez, viens par là, salaud! On a des choses à régler! T'es devenu encore plus moche depuis les 3 dernières fois où je t'ai tué! Oula! Oula! Le petit saut périlleux stylé!
Oh, ça c'est stylé ça. Oh. Par ici. Oh merde. La mineure à gros seins, vite, celui-là, comme dans une convention cosplay. Facile. Raté. Oula. Une manière de fermer le débat. Allons-y. Pas de vermine chez moi, s'il te plaît. Alors. Waouh. Et bah pour un jeu en HD, l'image elle est quand même moche. Hein. Ça y est, ça parle. Oula. Dégage. T'étais censé me faire peur. Ah 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 ah. Ah. Chu. Bon, celui-là a été réussi, je le reconnais. Waouh, les yeux. Est-ce qu'il bouge? Non, il bouge pas. Bon, c'est pas grave, écoute. Hein. Bon, bah, je vous ai à l'œil. Je vous ai... Pardon, excusez-moi. On progresse. Allons-y. Oh, qu'est-ce que... Nécessite une clé. Et je la mettrai où? Bah, d'où le titre, hein, DMC dans mon cul. Ça, c'est un mur qui est destructible. Chu! Ha! Hu! Bon, c'est un mur qui est destructible, mais qui est au-delà de mes faibles capacités pour l'instant. C'est pas très grave. Ah, il y a une âme là-bas! Malheureusement, je ne peux pas passer. Très bien. Tant pis, j'imagine que c'est un jeu où il faut refaire les niveaux 30 fois pour avoir le. Pour enfin avoir le petit truc qui te permet d'avancer ou qui te permet de débloquer ce qu'il y a de bloqué dans le niveau en fait. Oh well, c'est pas très très grave, chers amis. C'est pas grave, on progresse. S'il y a une grosse rejouabilité à la Capcom, qui suis-je pour la contredire? Et Oh! Je me disais que j'étais moche ce matin. Haha! C'est pas que ça porte malheur de briser un miroir! Haha! Et voilà! Viens ici. Lui il parvient ici. Je sais pas. Dis-lui un truc. Tout ceci me laisse de marbre. Ah, je devrais pas faire des blagues comme ça, c'est illégal. Barrez-vous, j'en ai marre de vous buter pour rien. Vous avez fini de vous casser tout seul? D'accord, mais il faut que je pense à les péter pour récupérer de l'argent. D'accord, très bien. Oh. Hum. Ha. Chum. Oh. J'essaye les sauts périlleux stylés devant, tu sais. Pour voir comment il se sent. Pour voir si j'arrive à convaincre la porte de s'ouvrir parce que j'ai juste trop de style. Waouh, il y a tellement de poupées pendues. Elles sont adorables. Oh, je suis tellement content de voir que le courant passe entre nous. Allons-y. Oh, dude. Mets un pantalon, personne n'a envie de voir ça, quoi. Oh. Dégueulasse. Ah ah. Facile. Du coup cette porte ne sert à rien mais ah ah. Ok, c'est pas grave. On va pas se compliquer le schmilblick hein. On va continuer d'avancer. Ah ah, encore un. Chu. Facile. Et c'est marqué exit ici. Bien. L'exit, moi, ça m'excite. Allons-y. Ah. Wow. Chou. Oh. Il s'est fait rouler. Je suis désolé, hein. Décidément, aujourd'hui, je suis fatigué. C'est une catastrophe. Mais enfin, on va remédier ça en buvant des âmes. Toi. Ton âme, il me la faut. Oulié. Comment ça t'es pas mort? Oula oula oula. Oulié. Allez. Oula 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 oula. Oulié. Trop stylé. Grand SS. Oh. Ah blablabla. Ça passe. Ah ah. Tout ceci était prévu. Chu. Hu.
Vite! Tout droit vers la texture moche! Oula! Humour Capcom. Jamais de la vie. Allez! Ramène-toi, Azog! Ça sert à rien. Pourquoi pas? Il craint pas les balles. Ah bon? Ah, ça réduit ma possibilité d'arsenal. Et plus loin. Wow! On va traîner dans le réel. On reviendra pour lui. Ah, tout est en train d'exploser! C'est quand même visuellement très très cool. Hein. Bah, tout va exploser! Miséricorde. Piégez-le! Ah! C'est la dernière fois que tu te fous de ma gueule comme ça! Très bien. Finissons-en. Allez, approche! Attends! Attends! Qu'est-ce que... Wouah! Elle utilise des tactiques d'Irlandaise! Ce sera pas facile, les limiers te coupent la parole. Parfait. Pas autant qu'elle est donne. Approche. Ouh, yeah. Et un vidage de boule. On commence comme ça, ça fait plaisir. Ouais, t'entends. Ouh, yeah. Chou, ha, hou, ha. Chou, ha, hou, ha, hou, ha, hou. Ouré, 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 ouré. Oula. Qu'est-ce que... Ah non, pas la laine de vomi du petit matin. Ah ah, bien tenté, mais la même attaque. Ne marche pas deux fois sur le même chevalier. Facile, attention, esquive stylée. Esquive stylée et le petit backflip de l'amour. Le front flip du plaisir. Bien tenté. Malheureusement, il en faut plus qu'un vagin sur le front pour m'avoir. Hou, ha, hou. Raté. Hou, ha, hou. Ha, ha. Ah. Hou, ha, hou, hou. Olé, 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 olé. Hou. Raté, le petit backflip de l'amour. Le backflip. Ouré, ouré, ouré. Ceci est très fun mais difficile à commenter, chers amis, parce que comme dans Bayonetta, c'est difficile pour rester assez concentré pour ce qui se passe dans l'action. Cependant, ma stratégie consiste à vider couille droite et couille gauche dans son visage vaseur. Deux en un. Ça marche. Allez, finissons-en. Chiné, Suicide Sword. Oh. Allez, bouffe. Ah, raté. Bien tenté, cependant. Bien tenté, j'ai dit. Malheureusement, insuffisant. Et maintenant, la reproduction. La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Oh! Et maintenant tu portes mes enfants. Bien. Oula. Je me souviens à peine d'elle. Dude, tu viens de te taper deux jumelles lesbiennes la veille. Qu'est-ce que t'en as à péter? Ah oui, c'est vrai, la destruction et la mort. Ça, on avait oublié ce détail. Miséricorde. Ah. Bon, j'ai envie de dire... La fête est finie. Oh, miséricorde.
va, Dante? Comment tu connais mon nom? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non? On m'a toujours dit de pas monter avec les étrangers, mais... Ouais, mais je t'avais rien demandé. Mais t'as déjà vu ma bite, alors... On est quitte, ok? Voilà. Bah allez! C'est bien parce que j'ai besoin d'une extra large. On sait tout de toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Tu connais? Un rapport avec le taré masqué d'Internet. C'est mon boss. Génial, j'ai hâte. Nous recevons à l'instant ce qu'on parle de la vraie d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment, lorsqu'on s'y attend le moins. Pendant ce temps-là, dans le bureau d'Ariel Dombal. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. C'est quand même de la fanfiction, Lex Luthor, Ariel Dombal. Ça veut rien dire. Ah, point de style B comme Bob, D comme Dick, x2 parce qu'elle est deux fois plus grosse. Achèvement C comme cool parce que voilà. Score final C, bon bah écoute hein, C comme voilà, parce que comme je peux pas faire mieux, comme de toute façon il est 23h et je suis vanné de la Japan Expo Sud, comme de toute façon je suis content en tout cas d'avoir testé ce jeu, ça fait vraiment plaisir, content d'avoir enregistré. Je m'étais dit, c'est Fanta qui m'a dit, oh bah écoute, si tu le lances, t'as jamais testé, enregistre-le. De toute façon, la première fois que tu joues à des jeux ou que tu fais des bons jets, t'es toujours chaud. Moi je dis, ah bah oui, mais je l'ai déjà commencé, j'ai déjà lancé les deux premières cinématiques du début. Fais, oui, mais t'es qu'au début, c'est pas grave, ça te permet de régler les contrôles, vas-y, recommence. Ok, y a pas de souci. Et du coup, c'est pas grave. En tous les cas, merci infiniment, chers amis, d'avoir regardé ce premier épisode, ou du moins ce premier épisode. Je dis ce premier épisode parce que. Ah, et ben ça me plaît. J'ai peut-être envie d'en faire un LP de ce jeu. Je ne sais pas. Peut-être. Après, je ne sais pas. Il est peut-être trop vieux. Peut-être que ça vous intéresse pas. Peut-être que vous le connaissez déjà par cœur, en long, en large, en travers. Mais moi, sachez que je suis un imbécile qui ne se renseigne pas sur les jeux sur Internet et qui a besoin d'avoir joué à un jeu pour le connaître. Donc, pour le coup, je connais la licence, mais à part, comme j'ai dit, à part Devil May Cry 4, où il y avait finalement Dante, mais que la moitié du jeu. La première moitié, je crois qu'il s'appelait Nero ou Néron, un truc comme ça, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout sur Fanta Games. Je vous fais de gros bisous. Je vous vois éventuellement à la Medinasia avec Fanta. Et à la prochaine. Allez, zou, c'est ça qui est bon. Oh.